Allez, salut, 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 voilà. C'est toujours moi, Deuxième Hospital, et vous êtes sur la chaîne de M. Le Russo 225. Avant de regarder cette vidéo, si c'est la première fois que tu me vois, voilà, donne-moi un pouce bleu ou bien abonne-toi, voilà, parce que sur ce site ou bien sur cette chaîne YouTube, je donne des informations sur les bourses et aussi plus d'enseignements. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai déjà fait la vidéo pour la bourse de Bilkent pour la Turquie. Voilà, mais j'avais déjà fait pour le master et le doctorat. Et aujourd'hui, je suis là pour ceux de la licence. Voilà. Et j'ai une bonne nouvelle et en même temps une mauvaise nouvelle. Voilà. Parce que déjà, la bonne nouvelle, c'est que pour cette bourse, c'est vraiment très très important. Voilà. Vraiment très important parce que la bourse récupère plusieurs étudiants étrangers. Donc, si vraiment vous voulez postuler, ça va vraiment vous arranger. Et voilà. Et pour le second cas, c'est quoi? C'est que pour pouvoir postuler à cette bourse, voilà, avant même d'accéder, d'abord je vais vous montrer d'abord comment est-ce que vous allez faire. Voilà. Mais avant même d'accéder à leur formulaire, voilà, avant d'accéder à leur formulaire en ligne, il faudra vous acquitter de 10 $. Voilà. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, voilà, et qui veulent vraiment postuler, voilà, c'est pour ceux de la licence. Il y a une méthode juste sur le site. Voilà, vous lisez. Et une fois que vous finissez de payer les 10 $, voilà, vous pouvez me faire signe. Et puis, je vais vous indiquer comment est-ce que vous devez faire pour vous inscrire. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je vais pas trop durer, je vais vous montrer comment ça se passe. Et puis moi, je suis pas là pour postuler, donc ça va rien servir de payer ces 10 $. Voilà, c'est juste pour vous indiquer, pour vous aider, pour vous montrer comment ça se passe. Donc pour ceux qui sont vraiment intéressés, pour ceux de la licence, ils peuvent me contacter inbox. Voilà, et puis on va essayer de postuler pour eux. Et voilà, c'était moi de Sam Hospital, tout à l'heure pour la suite. Donc, comme je vous le disais, voilà, on va passer vite sur l'application. Et puis, donc c'est l'application qui est là. Vous allez voir le lien en description. Voilà, donc, dans un premier temps, vous venez. L'application, c'est ici d'abord, dans un premier temps. Voilà, je vais vous montrer un peu. Je vais me retourner. Vous montrer. Voilà, c'est ici. Voilà, donc, ça, c'est le début. Arrivé là, vous cliquez sur New Applications. New Applications. Vous y allez, voilà, ici, et vous remplissez vos données. Mais d'abord, avant de remplir les données, voici ce qui est écrit ici. Donc vous lisez un peu. On dit Bilkent University charge 10 USD application fees for the 100 applications. The application fees must be paid billing before filling out the online application form. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous acquitter de 10 $ avant même de commencer à postuler pour la licence en ligne, pour la bourse. Voilà. When you click the confirmation links sent by Bilkent University to your email address first, you will be directly to the credit card payment charge. Voilà, donc comme vous l'entendez, ils disent que lorsque vous avez fini de remplir tout ce qui est là, voilà, par exemple, quand vous avez fini de remplir, ils vont vous envoyer comme ça. Quand vous allez finir de remplir là, les éléments que vous voyez là, ils vont vous envoyer un mail dans votre boîte email. Voilà. Et comme ce que j'avais fait pour le master et le doctorat. Et de là-bas, vous confirmez. Lorsque vous confirmez, l'élément va vous envoyer directement sur une plateforme où vous devez payer votre 10 $ avant de pouvoir continuer. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure. Vous allez voir. Donc, voilà. Et si on dit you may use your own or your family member's credit card to make a payment online. Please note that the credit card should be a Visa or Mastercard. Voilà, donc ils disent que vous pouvez prendre la carte de vos parents pour pouvoir payer. Voilà, c'est Mastercard ou bien Visa. Voilà, donc après ça on dit you will only be able to reach the online application form after you complete the payment process with your card. Donc tu seras le seul à pouvoir remplir
la procédure juste après avoir payé cet argent. You will be directly to the online application form after you pay the application fee. Bon, c'est la même chose. Ici, all documents to be uploaded to the online application form should be either in English or Turkish. Online forms that are not submit will be not evaluated. The evaluation results will be sent to your email address, which donc ici c'est un peu comme comment je vais dire. Lorsque vous allez finir de payer, voilà, vous allez aller sur le site, vous allez payer, vous allez commencer à remplir votre formulaire en ligne, voilà. Et un peu encore une mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est que les documents que vous avez doivent être, les documents que vous allez mettre doivent être en langue anglaise ou turque, voilà. Donc les documents doivent être en langue anglaise ou turque. Donc c'est à vous de voir. Voilà. Donc ceux qui veulent vraiment postuler, voilà, vous m'écrivez inbox, c'est le numéro qui est là. Vous m'écrivez inbox et puis je vous aide à pouvoir le faire, voilà, directement. Donc c'était un peu ça, mais je vais vous montrer ce qui sont dit réellement. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ici email adresse, je vais prendre pour le site. Ok, le password, on va prendre un password. Ok, on va répéter le password. Donc vous suivez les mêmes éléments, vous remplissez. Ok, first name, je vais prendre... Ok, donc quand j'appuie sur Apply, dans les normes, ils doivent me renvoyer vers mon email. Donc, c'est ce qui est écrit là. Please follow the steps in the email message and validate your password. Donc, vous comprenez. Donc là, on m'envoie directement dans mon compte Gmail. Donc, je vais dans mon compte Gmail et puis de là-bas, je vais confirmer et revenir. Donc, Gmail ici. Mon compte Gmail là. Donc ok. Donc, je vais sur mon compte Gmail et puis de là-bas, je vais vous montrer. Voilà, sur le compte Gmail, voici le message que j'ai reçu. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce message, qu'est-ce qui va se passer? Je vais cliquer sur le lien qui est là. Voilà. Donc, vous cliquez sur le lien qui est là. Et ça vous renvoie directement dans les normes, ça doit me renvoyer sur une plateforme où voilà, on me fait venir ici et je vais d'abord, ça doit me renvoyer sur une plateforme où je dois payer $10. Voilà, donc on dit your application continue editing. Donc voici un peu où ça m'envoie. Donc, si vous avez bien remarqué, ici, ce sont les modalités pour pouvoir faire votre dépôt. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous devez d'abord payer avant de faire votre dépôt. Sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Voilà. Donc, il faudrait être clair dessus. Et c'est la mauvaise nouvelle, je crois.
Donc, merci, voilà. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et à plus, n'oubliez pas, si vous voulez vraiment continuer, vous m'appelez, vous me faites signe. Et puis voilà, je vais vous aider à continuer. À plus et...